Synonyme de vrai départ. Voilà, le leader, c'est Ternaud Zirmé, sous les couleurs janvier, qui va donc donner le tempo à cette épreuve. Pas question de passer devant pour nos élèves. Et le premier des élèves à être bien parti, c'est Guillaume Jouve avec Twist de la Vallée, qui prend la deuxième position. À son extérieur, l'habitué Alexis Colette avec Taïga du Rib. Ensuite, on va retrouver Sarah Bouran avec Tara des Jumelines. Et puis Paul Olitro avec Tirade du Trianon. Pour l'instant, c'est Solo et Floride Grumet, ceux qui ferment la marche de ce petit peloton. On va les retrouver en face, donc sous la conduite toujours de Twist de la Vallée et de Taïga du Rib, qui compose la première ligne. Of course, Rumble. Et puis Tara des Jumelines compose la deuxième. Ensuite, on va venir avec Tirade du Trianon, qui est en troisième épaisseur. Et pour l'instant, eh bien, tout ce beau monde est ensemble, hormis peut-être quel Indien qui s'est un petit peu attardé, qui a pris une grosse longueur de retard sur le reste du peloton. On ne va pas très vite sous l'impulsion de ce leader qui se montre prudent, ma foi. Et le long de la corde, nous avons Twist de la Vallée, et qui est donc tête et corde. Of course, Rumble est dans son sillage. À l'extérieur, c'est toujours Taïga du Rib. À l'extérieur de la deuxième ligne, c'est Tara des Jumelines. C'est-à-dire que les positions n'ont pas varié donc, depuis le départ, alors que les concurrents s'apprêtent à boucler le premier tour. Et puis Canadien revient maintenant aux côtés de Solo en queue de peloton. Voilà, le premier tour est bouclé. Nous avons toujours notre Tirade du Trianon seul en troisième épaisseur pour l'instant. Canadien va tenter de limiter pour tenter de remonter le peloton et de gagner quelques places. On a toujours donc Twist de la Vallée et Taïga du Rib ensemble, rejoint maintenant par Tirade du Trianon, qui s'apprête donc à prendre la place de Taïga du Rib. Ensuite, le long de la course, de la corde, pardon, Of Course Rumble, qui est toujours là, dans le dos de laquelle on va retrouver Troïka de Richet, qui est là devant Solo. Voilà, le leader va bientôt se retirer de l'épreuve, vous allez voir, au poteau des 1000 mètres, et va abandonner nos 10 concurrents à leur sort. Et cette fois, la course sera véritablement lancée, à chacun de défendre sa chance. Voilà, on se retire avec Ernaud Zirmé, et c'est parti maintenant pour la vraie course. Avec Tirade du Trianon toujours à l'extérieur, donc de Twist de la Vallée. Et pour l'instant, Of Course Rumble, Taïga du Rib sont juste derrière. Ensuite, nous avons Solo et Troïka de Richet. Personne n'est encore passé à l'attaque, si ce n'est Rocky Jack qui occupait la dernière place et qui est en train de mettre le clignotant, suivi par une Gendréenne. Et ces deux concurrents, eh bien, sont partis pour remonter le peloton. Rocky Jack, effectivement, passe en tête maintenant à l'entrée du tournée final. C'est lui le premier attaquant. Taïga du Rib répond aussitôt. Rocky Jack, Taïga du Rib se détache. Nous avons Troïka de Richet qui vient en troisième position. Et puis une Gendréenne qui va passer également le tandem de tête pour revenir face aux fugitifs. Nous sommes à l'entrée de la ligne droite où Rocky Jack maintenant a nettement le meilleur. Il est attaqué par Taïga du Rib. Taïga du Rib en dehors, Rocky Jack côté corde. Ensuite, on va retrouver donc Troïka de Richet avec, of course, Rumble. Alors que le 9, Twist de la Vallée, a été disqualifié. À la distance, Rocking Jack va-t-il résister à Taïga du Rib? C'est gagné pour Alexis Popo, qui l'emporte donc avec Rocky Jack, et ce devant Taïga du Rib et Alexis Colette. Non, pour la vraie course. Avec Tirade du Trianon toujours à l'extérieur, donc de Twist de la Vallée. Et pour l'instant, Of Course Rumble, Taïga du Rib sont juste derrière. Ensuite, nous avons Solo et Troïka de Richet. Personne n'est encore passé à l'attaque, si ce n'est Rocky Jack qui occupait la dernière place et qui est en train de mettre le clignotant, suivi par une Gendréenne. Et ces deux concurrents, eh bien, sont partis pour remonter le peloton. Rocky Jack, effectivement, passe en tête maintenant à l'entrée du tournée final. C'est lui le premier attaquant. Taïga du Rib répond aussitôt.
Rocky Jack, Taiga du Rib se détache. Nous avons trouvé le cas de Richer qui vient en troisième position. Et puis une Gendréenne qui va passer également le tandem de tête pour revenir face aux fugitifs. Nous sommes à l'entrée de la ligne droite où Rocky Jack maintenant a nettement le meilleur. Il est attaqué par Taiga du Rib. Taiga du Rib en dehors, Rocky Jack côté corde. Ensuite, on va retrouver donc Troïka de Richer avec, of course, Rumble. Alors que le 9 Twist de la Vallée a été disqualifié. À la distance, Rocky Jack va-t-il résister à Taiga du Rib? C'est gagné pour Alexis Popo qui l'emporte donc avec Rocky Jack et ce devant Taiga du Rib et Alexis Colette. Thank you.